Amen. Ok les potes, c'est Gadoupa, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez une nouvelle vidéo aujourd'hui, ce dimanche. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Les potes, oui, j'ai reçu la paire de Yeezy Slide. Et aujourd'hui les amis, on va unboxer ça ensemble. Je vais vous montrer un peu quelques looks qu'on peut faire avec cette paire là. C'est pas une paire de sneakers, c'est vraiment une paire de claquettes. À proprement parler, c'est vraiment des claquettes quoi. Des tatanes, des flip-flaps, comme vous voulez. Et en fait, c'est mal apparu aux yeux des gens. C'est un peu en mode, c'est très chelou quand même. Mais vous me connaissez maintenant les potes, vous et moi, on sait très bien qu'on kiffe les mêmes choses. Vous kiffez autant que moi, je sais. Faites pas genre. Parce que vous, j'ai des petits potes sur Instagram, ils ont des looks, ils ont des flows. Je dis pas tout le temps quand je passe sur vos comptes, mais des fois je passe sur vos comptes Instagram, les potes, et je vois vos looks. Croyez pas que parce que je dis rien, je vois rien. Il y en a parmi vous, vous êtes super chaud. Donc voilà qui est dit les potes, sur ce générique. Et juste après les potes, on va unboxer ça ensemble. C'est parti mon frérot. Commencer les potes, juste vous dire rapidement qu'en ce moment je suis en train de changer de boîtier photo. À la base j'étais chez Canon, donc en photo, en vidéo je suis chez Sony et le but c'est de passer tout chez Sony, d'accord. Et en ce moment sur Instagram je vends énormément de vêtements et beaucoup sont déjà partis, mais j'ai refait un tri et là j'ai encore des pièces à vendre. Évidemment beaucoup d'autres choses. Du coup les potes, rejoignez-moi sur Instagram parce que tout se passe en story. Je mets tout ce que j'ai à vendre en story au-delà de mon contenu mode que je poste sur Instagram tous les jours. C'est aussi là-bas que je fais les ventes. Tout se passe en DM, PayPal, etc. Tout est nickel, clean et tout. On n'est pas là pour ça, mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est tout à fait ça. Bien évidemment les potes, j'ai pas reçu cette chaussure de n'importe qui, c'est pas un fantôme qui me l'a envoyé évidemment. Il s'agit tout juste de Sneaks Life, et du coup c'est Sneaks Life qui gère ça de main de maître, mon petit pote. Il s'agit de deux personnes, resellers de sneakers, qui sont, je tiens à préciser, carrés. Et en fait du coup on est parti sur une collaboration ensemble parce qu'ils proposent un service de vente de sneakers, c'est vraiment propre. Déjà faut savoir qu'il y a des paires qui sortent des fois aux States, donc exclus States, exclus Japon, exclus Angleterre par exemple, exclus France ou Europe. Et eux par exemple ils ont des collaborateurs partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gars qui bossent pour eux depuis l'étranger. Comme ça, ils peuvent avoir toutes les paires que tu peux demander. Tu peux avoir une paire spécifique que tu recherches. Tu peux leur envoyer un mail via le site. Et du coup, ils peuvent faire les recherches pour toi à ta place. Et du coup, bah évidemment, après, tu passes à la caisse. C'est tout à fait simple et vraiment, ça facilite beaucoup. T'as capté que faire des recherches de sneakers pendant des plombes sur eBay, les sites qu'on connaît tous, etc. C'est chiant parce que des fois, on trouve pas les références, on trouve pas les paires. Des fois, elles sont exclues US, exclues Japon. Et pour trouver ça, faire importer plus tes frais de port, ça pique. Mais évidemment, les paires sont toutes authentifiées. Dis-toi bien une chose, tu ne recevras pas de fake. Qu'on soit d'accord, parce que ça, je pense que c'est aussi un risque que beaucoup de personnes ne veulent pas prendre en achetant du resell sur le net. Forcément, ça fait un peu peur. On se dit, attends, je lâche 600 balles, 700 balles ou 500, juste 500 balles. J'ai une grosse somme pour une paire de sneakers, alors que de base, elles sont à 150 euros. En retail, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire. Je suis comme vous, hein, voilà. Ce qui est aussi archi bien chez Sneaks Life, c'est deux choses. Ils font la possibilité d'avoir un abonnement à 29,99€ par mois pour avoir 25% de réduction sur toutes les paires du site. J'ai bien dit, toutes les paires du site, en sachant, ils ont des AJ1 Union, par exemple. Ils ont la Yeezy Quantum de Kanye West, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ils ont un choix de paires, mon petit pote, aux petits oignons. Alors, on est d'accord, toi et moi, l'application SNKRS nous fait du mal, mon frérot. On est en déprime totale. Tu te lèves le matin à 8h59 pour essayer de copier une paire à 9h sur le site. Oh, bah, t'as un flux d'attente. Oh, bah, dis donc, stock épuisé. Ah, ça pique, hein. Et là, tu peux avoir du coup les paires que tu veux. Et en plus de ça, tu as 25% de réduction sur la paire. Le total de l'abonnement plus la réduction, c'est une paire de sneakers que tu auras en resell, te reviendra moins cher que de l'acheter en boutique à Paris chez un reseller. Évidemment, ça dépend de la paire. On va pas se mentir, ça dépend des paires, des quantités, etc. Ou alors, si tu veux pas t'abonner, avoir un abonnement 30€ par mois, tu peux tout simplement avoir 25% de réduction sur ta commande. Donc, du coup, voilà un peu les potes pour ce qui est de Sneaks Life. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Allez checker tout ça. Honnêtement, pas parce qu'il m'a envoyé une paire que ça y est, je vais survendre le bail. Ça fait maintenant 6 ans, je crois que bientôt que je suis sur les réseaux et sur YouTube. Vraiment, j'ai vraiment pas que ça à faire de vous vendre de la dope. Sachez vraiment que ça, c'est vraiment un bon plan. Et en plus, j'ai un code promo. Ben oui, je vous le mets à la fin de la vidéo. C'est parti les potes, on y va.
coup les potes, faut savoir que la Yeezy Slide est sortie le 16 avril dernier. Au niveau du prix, on était sur 55€ pour les tailles adultes, hein, voilà, 45 pour les tailles enfants et 25 pour les tailles bébés. Évidemment, tout a sold out en quelques minutes. Ça c'est comme toutes les Yeezy, hein, évidemment, au début on crache dessus. Moi le premier, j'ai craché dessus, je vais pas vous mentir. C'est pareil comme la Yeezy Foam, la foam là, elle est très chelou. Je la veux, d'accord, est-ce que c'est bon? Je la veux. Perso, il y a un truc, je sais pas comment expliquer, mais je peux tout rocker quasiment. Toutes les paires que vous trouvez chelou, je peux les rocker. On va me dire, mais putain, pas mal la petite paire là, putain, tu rock. C'est pareil, combien de fois on m'a dit, ouais les Shox, moi c'est dégueulasse les Shox et tout. Et j'ai réussi à convertir beaucoup d'abonnés avec des Shox, parce qu'au début c'était là en mode, ouais, un peu hésitant, en mode, ouais, je sais pas, c'est dégueulasse et tout. Et bien quand ils ont vu que j'avais porté correctement la paire, Moi je vais l'acheter chez Courrier, hein, ou je vais foutre le cœur. Pas pour lancer des fleurs, hein, j'en ai absolument rien à foutre. Mais juste voilà, c'est un fait, c'est une vérité. Je reçois beaucoup de DM de mes abonnés qui me disent, ah franchement au début j'aimais pas. Comme ma dernière vidéo, je la mets ici, où j'ai du coup unboxé une paire de Doc Martens. J'avais jamais acheté cette paire, enfin en tout cas cette marque de chaussures. J'ai fait des looks à la fin de la vidéo. Pareil, j'ai encore reçu des DM disant que... Effectivement, j'aime pas trop les docs, mais sur toi, j'avoue que ça passe grave bien. Voilà les potes. Tout ça pour vous dire que moi, les Yeezy Foam, elles sortent normalement en fin d'année. J'ai vraiment hâte, je veux les copes. Yeezy Slide, t'as capté. Donc moi, j'ai eu du coup le coloris Bone, donc le coloris un peu blanc là, le plus beau coloris concrètement, le OG quoi. Moi, pour moi, le coloris Bone, c'est le plus beau, le plus simple, le plus classique et c'est ça va avec beaucoup de tenues. J'ai juste hâte de vous faire des petits looks à la fin de la vidéo, donc vraiment restez jusqu'à la fin les potes. En plus, il y a le code promo pour Sneaks Life, moi 43, chez Adidas. Yeezy Slide, made by Adidas. Ah, regardez-moi cette petite paire, c'est pas trop beau franchement. Je l'ai reçu il y a au moins 3-4 semaines. Est-ce que je l'ai porté? Non. Pourquoi? Je voulais faire la vidéo avant. Donc du coup, c'est, moi je trouve ça mignon quand même, hein. Donc c'est vraiment une seule pièce moulue et boum, là qui est sorti comme ça. Donc, franchement c'est trop stylé. Donc c'est marqué, c'est gravé Yeezy 9 US Made in China. Comme toutes les paires en fait, ouais. À part les New Balance 990 qui sont Made in USA très souvent et UK également. Donc une qualité pépite. Gros bisous New Balance. Et là du coup le pied gauche. Évidemment oui c'est des grosses paires. C'est des grosses paires. Dites-moi ce que vous en pensez honnêtement. Dites-moi si vous kiffez ou vous kiffez pas. Je veux tout savoir en commentaire. Commentez en bombe. Voilà, vous voyez une paire comme ça. Vous en pensez quoi? Pour moi c'est une paire de sneakers, hein. C'est des claquettes, mais voilà, pour moi c'est une sneakers. En tout cas, Kanye veut un peu faire passer le mot en mode sneakers et pas claquettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là j'ai eu un petit mot de la part de Sneaks Life. Donc la petite carte, qui a le mail, le site web, je vous mettrai tout ça sur l'écran de la part de Sneaks Life. Donc franchement. Merci l'équipe. Du coup les potes, bah y a pas grand chose à dire parce que c'est pas vraiment une paire de sneakers, c'est une paire de claquettes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi maintenant je vous laisse avec des petits looks. Comme d'habitude, hein, 3 looks comme d'hab pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois qu'elles sont portées et bien rockées. Au niveau des saps et tout, ça peut faire des dingueries. Du coup les potes, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas les potes, s'il vous plaît, abonnez-vous. On a dépassé les 83K 500. On approche des 90K et enfin des 100K. S'il vous plaît, appuyez-moi sur ce fucking bouton. Ce n'est qu'un bouton. Sachez que je sors une vidéo tous les dimanches à 18h. Des fois même un petit bonus le mercredi quand je peux faire 2 vidéos par semaine. C'est compliqué mais j'essaie des fois de le faire. C'est cool. Et rejoignez-moi sur Instagram parce que je poste v'là les looks de ouf les gars sur Instagram. Et tout se passe là-bas. J'aimerais qu'on soit autant que sur YouTube. Tout le monde a Instagram presque. Faites l'effort de venir s'il vous plaît. Sur ce les potes, je vous laisse avec les petits looks. Je vous embrasse fort. L'amour en balle comme d'habitude. Mon code évidemment pour le site Sneaks Life, c'est GAEL10 et ça vous offre pas 10% mais 25% de réduction sur votre commande. Si vous commandez avec mon code ou quoi, s'il vous plaît, faites-moi une petite photo de votre commande, de la paire que vous avez commandée chez eux. Ça fait grave plaisir de recevoir un peu vos retours en direct, sachant que vous passerez commande chez eux grâce à mon code, grâce à cette vidéo. Donc voilà les potes, bah écoutez, l'amour en balle les potes, comme d'habitude c'est important, je vous aime, voilà. Et les potes, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain les potes pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, je vous laisse avec les looks, je vous aime, bye, je vous kiffe, ciao.